N'est-ce pas? Je sais qu'il se méfie de vous. Et du Sénat, et de la République, et de la démocratie par-dessus le marché. Je dois l'admettre, ma confiance en eux est un peu ébranlée. Pourquoi? Ils t'ont chargé d'une mission que tu prévois comme profondément déloyale. Ils t'ont chargé de m'espionner, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Remémore-toi ce qui t'a jadis été enseigné. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Ça vaut pour les Jedi. Les Jedi sont au service du bien. Le bien est une question de point de vue, Anakin. Les Sith et les Jedi sont similaires, ils se ressemblent quasiment en tout point. Y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir. Les Sith cultivent la passion de la force, rien d'autre. Et ils sont tournés entièrement vers eux-mêmes. Ah oui, parce que les Jedi sont différents. Les Jedi sont désintéressés. Ils pensent d'abord aux autres. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Non. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage, qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens. Et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher à ceux dont l'existence lui importait de mourir. Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort? Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir certaines facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Et que lui est-il arrivé? Il était devenu tellement puissant que la seule chose qui lui faisait encore peur était de perdre son pouvoir, ce qui, bien sûr, arriva un jour. Il fit l'erreur d'enseigner à son jeune apprenti son savoir et tous ses secrets. Et cet apprenti le tua pendant qu'il dormait. Quelle ironie. Il avait vaincu la mort pour les autres, mais la sienne, il n'a pas su l'éviter. Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour rester informé, camarades.